fait, c'est ça qu'on a fait calibrage, non? Donc, pour le point du calibrage, c'est que ceci. Cela. En fonction de comment est-ce qu'il mange, c'est pas lui. Les gens, les morts, les gens, c'est la. Ça, c'est le Non, je vais aussi lancer un coup d'œil. Bon, oui, allez-y. C'est bon là-bas. Non, il y a... Il n'y a pas beaucoup de Ah bon, hein? Ceci, c'est... 400 grammes, 500 grammes. Oui, oui. Il y en a une aussi, 600 grammes. Oui, la durée. Trois mois et demi. Non, à partir de 3 mois et demi, peut-être déjà... Peut-être 3 mois, déjà, ils sont déjà... Combien?
même qui m'a appris, qui voulait que je le fasse. Bato, tu as parlé de la plomberie qu'on faisait qu'à arranger là. Ça entre, non? Mais il y a quatre ans, on ne faisait qu'à arranger. Ça faisait que c'est gâté, c'est nous qui arrangeons. Non, Jean, il faut qu'on j'insiste sur le fait qu'on a, c'est nous qui arrangeons. C'est ça que je vais vous poser avec différence. Et les prix de la langue. Et la prise de là aussi. La gêne, chacun se débrouille. La boxe. La gêne de mon frère, est-ce que c'est... Tu as fait un toit ton frère qui... Ah, mais c'est un peu plus.
Oui, lui, c'est vraiment ces 30 personnes qui sont en prison sans droit. Et entre 1500 et 2000 euros pour les soins. Et c'est à partir de combien de temps qu'on fait le calibrage? En un mois plus tard. Normalement. Le système intensif. C'est tous les 14 jours que tu fais le calibrage. En fait, c'est 300 à le moins, mais je suis. On va juste aller à savoir, par exemple, au-delà, si tu peux le calibrage est de côté. Comme ici, il y a plus de 2 000 à le moins. Mais je voudrais faire le calibrage de manière régulière, parce qu'il y a constamment les temps, et puis il y a quand même. Nous mettons une semaine ici, nous pouvons calibrer plus tôt. Nous pouvons calibrer à 14 000, nous calibrons plus tard à 12 semaines. Donc, tout ça va faire de la quantité plus vite pour calibrer. Exactement. Ok. On peut juste aller, non? Ok. Je dis, moi, le tout là, j'ai bien dit. Je dis, le tout là, j'ai bien dit. Au bureau, tu l'as juste passé ici. C'est ici. Ah, ok. Tu as pris les détails quand même du. Ok. Tu as posé la main. Bon, on a causé. Je vais essayer en passant. Ok. Eh bien, je vais me mettre. Voilà. Ok. Je vais. Ok. Avant, on a parlé quand même de la peinture, mais en réalité, c'est pas. Bien sûr. Bon, tout à l'heure. D'accord. Elle est au village, non? Voilà, voilà. C'est qu'elle m'a appelé. On t'a appelé du village. Est-ce que vous commencez avec un bac de. C'est un bac plus petit que toi, Essène. Oui, il y a 10 mètres cubes, il y a 1 mètre cube. C'est combien? Le mètre cube du bac, c'est 45 000. Est-ce qu'il y a le forage à la maison déjà? On fait un forage. Pour le souffle d'eau. Il y a 15 mètres cubes, c'est pas le souffle d'eau à la maison. Le robinet. Quand tu vas prendre ce que tu veux, tu vas un peu comme ça là, chaque jour. S'il vous plaît. Vous voulez combien de kilos, ma mère? Un kilo. Oui. Ah, ici, quelle taille? Thank you.
Ça fait deux poissons. Je voulais trois poissons. Même d'avoir peur de ça jusqu'à. Oui. Je vais pas si vous allez manger. Pardon, tu es tué, non? Ou c'est tué, ou c'est pas quoi? Je ne vois pas tout ça. Parce que la dernière fois, c'est. C'est bon, non? Oui, ça va. Duval! Ça peut vous fuir comme ça. Oui, hey. Je suis à vous. Je vais donner les clés. Les poissons. Vous voulez manger aux poissons. Comment commercialiser cela ici? Peut-être que c'est facile à produire. Donc, supposons que c'est compliqué. Pourquoi le produit est plus élevé? Parce que si le poisson, si je le produis à 1500, les autres c'est que 2500. Ils sont plus élevés. Ils vont manger comme les gens d'appareils de pouvoir. Alors que celui-ci, dès qu'il y a l'eau, d'autres produits, il faut mettre aussi dans l'eau, il faut, c'est compliqué. Et comme ce sont deux, après le forage, il faut juste le forage. Après le forage, tu es bon. Je veux dire, on peut avoir une autre source de l'eau. Si un puits, moi, il faut que le puits. Pour qu'il ne soit pas si possible que le truc. Qui est l'eau dans le puits. Il faut qu'il y ait constamment de l'eau dans le puits. D'accord. Voilà. Je vais vous demander si c'est possible de commencer avec le marché de l'eau. Je dis que vous commencez pour le nom de calibrage. Pour le bac, mais c'est mieux d'avoir un petit enfant. Oui, c'est un bac de temps, mais c'est plus bien. Là, maintenant, tu donnes comme tu veux. Ah, non, tu es dans les sacs. À l'autre là-bas. Donc, pour ça, vous les abonnons ou bien. Nous allons leur aliment. Bon, c'est le même aliment, mais je trouve que la taille est différente pour que j'aie mal à l'aise. Les tailles sont différentes. C'est tout petit combien pour l'aliment. Oui.
ça dépend des marques. Il y a les marques qui c'est 24 000, un sac de 20 kilos. Voilà, voilà. 20 kilos. Écoute-moi sur WhatsApp, je vais t'envoyer. Écoute-moi sur WhatsApp, je vais t'envoyer la grille des prix. Et l'autre c'est 20. Ah, c'est 2. Il y a, comme j'ai dit, ça dépend des tailles. Il y a 3 millis. La taille, non. 3 millis, 4 millis, 5 millis. Ça dépend des tailles. Donc. Il y a le poisson qui mange comme ça, parce que c'est l'enfant. Ça dépend de la quantité que tu as. Quand je fais, non. Quand je fais, je dis une mauvaise depuis 20 euros chacun. Tu peux dire combien de sacs de poisson, combien de sacs d'aliments et combien de poissons ils vont manger. Tu peux te dire. Mais pas brésil aussi. Combien tu vas. C'est comment il dit avec ton film. Je peux te dire quand, je peux te dire combien de sacs ils ont mangé à une personne cette période. Je peux te dire combien tu auras en termes de poids. C'est un peu mathématique. Et puis moi sur WhatsApp, je vais t'envoyer un petit modèle que tu vas pouvoir travailler avec. Comment tu vois ça? Quand je vends en détail, quand je vends en détail, quand je vends en détail, 200 kilos. Donc je fais le vent à l'huile. Si tu as la chance. Comme vous avez généralement les unités à l'intérieur. Donc je veux savoir si c'est uniquement, si vous utilisez c'est uniquement pour la reproduction. Les cubitinaires. Oui, les cubitinaires. Il y a les cubitinaires, il y a les bâtiments. Écris-moi tout sur hasard, je vais t'envoyer un spécimen. D'accord. Mais c'est à toi de voir. Si tu trouves que. Bon, moi je conseille client. S'il veut faire. S'il veut faire une petite production de faire avec les cubitinaires, c'est plus pratique, ça prend plus de poisson. Là, tu auras besoin de trop de cubitinaires. Par contre, avec ceci, c'est un peu trop dense. C'est pas très grand. En termes de prix, il n'y a pas une grande différence entre les cubitinaires et les bacs. Comment je vois ça, je vais t'envoyer un bas comme ça. Un bas comme ça que j'ai fait. Yeah. Et puis tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Oui. C'est vraiment une chose. Mais tous les coups de nez, c'est moins pour 1 mètre cube. Oui. Moi, si tu vas adapter une citerne, tu vas citer. Ceux qui sont dans les toits là. Oui. Moi, si tu vas adapter une citerne en bas. En tout cas, tout ce qui contient, en tout cas, tout ce qui contient l'eau, tout ce qui peut contenir l'eau, tu peux faire ton élevage. Voilà. Ok, voilà. Généralement, quand le poisson tombe malade, tu as tellement tout ce qui contient. Exactement. Et les antilles aussi, quand même. Mais c'est 4 000, 5 000, les trucs. Il y a le sel aussi qui est bien. Un bon truc aussi, permet aussi de désinfecter le bac.
Oui, après la formation, personne n'est plus.